Construire une école, se fermer une prison, disait Victor Hugo, comme pour dire « L'éducation permet aux jeunes de ne pas tomber dans la délinquance ». Cela, les prêtres du Sacré-Cœur de Jésus œuvrant dans l'archidiocèse de Kisangani, en République démocratique du Congo, l'ont bien compris. Ainsi, le complexe scolaire du Sacré-Cœur Saint-Jean s'est enrichi d'une nouvelle bâtisse de deux niveaux avec 9 salles de classe. La remise officielle du bâtiment a eu lieu le vendredi 5 mai 2023 après une messe d'action des grâces présidée par le père Albert Lingwengwe, supérieur provincial de la RDC. Dans son homélie, l'officiant du jour a notamment rendu grâce non seulement à Dieu qui a permis la réalisation de l'œuvre, aux bienfaiteurs qui l'ont financé, parents et la congrégation des prêtres du Sacré-Cœur, mais aussi à l'ingénieur ainsi qu'à tous ceux qui y ont travaillé. Nous devons savoir que si on est humble, on va recevoir ce que Dieu veut que nous devenions, ce que Dieu veut faire de nous. Alors, cette école-là, ce complexe scolaire du Sacré-Cœur au Saint-Jean, nous devons nous mettre à l'école de Jésus et être ouverts à recevoir et écouter. Être aussi humble pour travailler avec parfois des conditions difficiles. Nous allons demander cette grâce-là à Dieu, de façon que tout ce que nous allons faire ici, ça soit pour sa gloire et pour le bien de nous tous. Shalom. Après la messe et la bénédiction du bâtiment, la joie des élèves, enseignants et parents était au comble. Cela a été manifesté entre autres par un défilé dans la cour du complexe, mais aussi par le partage d'un repas de fête. Le complexe scolaire du Sacré-Cœur Saint-Jean est situé sur la 7e plateau Boyoma, avenue Pokuta numéro 1, dans la commune Makiso. Il a été fondé en 2018 et compte une école maternelle, primaire et une école secondaire avec des options ci-après, les maths physiques, la biochimie et la littéraire. Le complexe scolaire du Sacré-Cœur Saint-Jean possède également des installations sportives adéquates pour l'épanouissement des élèves. Les tout fonctionnent sous la devise « Science, excellence et sainteté ». Pour Archikis Online, reportages et commentaires Yusil Rosalita Kachuva, prise de vue de son et montage Cédric Sabiti. Remerciements, Son Excellence Monseigneur Marcel Utembitapa, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo-Sanko, aumônerie universitaire, paroisse Saint-Esprit.